Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et ça y est, il est là, on l'a attendu, ça y est, Call of Duty est arrivé, en DL12, c'est vrai que bon, j'ai joué déjà cette nuit à minuit, quand il est sorti, pour tester vite fait, là, c'est vraiment reparti, pour le coup, je suis avec un pote, je suis avec Nico, donc, pardonnez si des fois c'est un peu brouillon, mais pour avoir vraiment nos impressions sur le jeu, donc j'ai fait quelques parties, je suis niveau 8, j'ai même voulu un peu tester, donc voilà, on va voir ce que ça donne, j'ai vraiment été conquis, donc on va continuer dans ce sens-là, hop, j'ai pu prendre Seraph, c'est parfait, allez. On est parti. M'entends Nico? Ouais. Parfait, montez chaud patate. Ah c'est ici qu'on change de classe. Bah ouais. J'avais pas vu la dernière fois. Ouais c'est là. Allez. Allez. Zouf. Infiltré, bon, méfie-toi, Nico, ça tire à longue distance sur celle-là. Donc, personne dans l'église. Ah, c'est un pote. Hey, franchement, c'est super chaud parce que cette arme a une thermique, mais on ne voit pas du tout les alliés des ennemis. Il y a des ennemis. Hop. Allez, comme. On est en train de gagner. Ça, c'est un rouge. Ça, c'est un allié. Mais tu vois, c'est un coup à faire du tir allié, ça. À gogo, quoi. Ah, qu'est-ce que j'aime cette arme, elle est puissante en plus. Puis avec la thermique, de base, elle a des fourrailles pas mal. Est-ce qu'il tire en libre celui-là aussi? Il tire en libre. Oh, il était quand? Ouais, dans l'église. Par contre... Par rapport à World War 2, quand on a une batteuse, on est beaucoup plus loin. Comment on y monte là-haut? Il est où ce vil coyote? Balise tactique ennemie déployée. Putain, une bonne portée en plus. On a détruit leur balise tactique. Il y a bien qui va me la faire à l'envers. Oh là là! J'y t'arrive. J'ai entendu qu'à un certain moment. J'ai été surpris. Ouais, ben moi aussi, j'ai été surpris. Alors pourquoi les alliés viennent camper à côté de ta gueule? Ils ont pas assez d'imagination. T'as repéré. Bah ouais, mais c'est chiant quoi. Putain. Là, j'avance en mode prudence. Ça fait du bon ça. Ça c'est du sale ma main. Ça c'est bon ça. Petite quad là tranquille. Je spoil pas. Ah putain il vole lui. Putain drone. Oh, drone quoi, en attente d'ordre. Côté. Le drone commence ses opérations de surveillance. Carnage interrompu. What?
Ça va arriver par là. Périmètre du drone établi à 10 000 pieds. Je kiffe bien cette batteuse. Bon, t'es un peu long déplacement, mais t'as pas besoin de la recharger. Oh, il est passé, lui. Je comprends pas c'est quoi ce truc. Attention, balise tactique ennemie. Il y a des munitions, tu peux récupérer des balles. Hellstorm paré au déploiement. C'est un allié, ça. T'as un problème, c'est que j'ai du mal à les identifier. C'est un allié. Ah non, c'est un ennemi. Wouhouhou. J'ai un Hellstorm, tiens. Ça faisait longtemps que j'avais pas tiré ce genre de truc. Des potes. Des potes partout. Faut que je me planque. Le Storm. Il est pour toi. ouais. Bon, moi je suis au taquet, hein. Je sais pas combien. Le problème c'est ça, c'est que j'arrive pas à identifier les ennemis. Personne. N'en est pas un. J'arrive pas à les identifier vu que j'ai une thermique quand je l'ai pas. Je vois personne, c'est je vois personne. Ah bah si, il est dans la maison, la cabane là-haut. Ouais, voilà. Oui. Ils sont par là, c'est sûr. Viens chercher. Oh lolololol, j'ai fait la saucisse. L'église. Ah c'est un ennemi, j'ai du mal à identifier les ennemis sans la lumière. Ah putain, mais franchement j'ai des lunettes. Une grenade alliée. Attention, balise tactique ennemie active. Ah en fait j'ai un génieur sur cette casserie, il faut les balises ennemies à travers les murs. Oh là là. Et là-bas, on a gagné. Les objectifs de mission ont tous été atteints. Ça a été pas mal. Ah, c'est moi, regarde. Mais le problème, c'est que sans cette lunette thermique, je ne vois pas les gamer tags sur les gens. Donc du coup, impossible de savoir si c'est un allié ou un ennemi quand je zoome pas, quoi. Alors, je te dis pas comment ça... Moi, alors, vraiment, je m'arrache des lunettes. J'ai dit problème de vue. T'as dit problème de vue ? Ouais, ouais. Bonne game. Ouais. Ah oui, j'en ai tué 17. À longue vue... Bah c'est pour ça que j'ai une lunette là, parce que du coup ça m'aide. Mais c'est la case d'origine ça. Ah oui, 6 morts, je suis 6 fois mort et j'en ai fait 17, c'est pas mal. Niveau 2. Oui, je me suis amusé. Crime class. Alors allez où ma batteuse, elle est là. Lunette. Ah la thermique c'est la dernière, niveau 6. Peut-être déjà si je foutais une Recon. Oui, accessoire. Bien, tu te demandes si tu t'es amusé. Ouais. Je me suis amusé. Oh, j'ai pas eu le temps de finir ma classe. Je vais essayer sans la thermique. Du coup. À partir du niveau combien tu peux créer tes classes ? 5. Ouais, 5. 5. Niveau 5. Mais dans l'ensemble, il est pas mal quand même. Faut pas, ça fait du ça. Mais il est propre. Ouais, ça fait du bien hein, de retrouver du. Ouais. Des couleurs vives et tout, c'est plutôt sympa. Ça change de. Comment ça s'appelle, de World War 2 qui était beaucoup plus terne. Ouais, je me suis mis quoi en secondaire? Ah oui, je peux changer, mais je peux pas là. Vas-y, je vais tester avec celui-là. J'en teste plusieurs. Moi, je trouve bien et je kiffe beaucoup. Pas mal.
Après, faut pas hésiter à dire qu'est-ce que tu trouves mal. Hein. Comme ça, tout sera dans la boîte et... Capturer la zone. Je pourrais diffuser ce qui est pas terrible. Donc, je suis en train d'enregistrer. Alors, la Recon, elle est pas mal. En tout cas, les cartes sont très jolies. Ouais, moi j'aime bien aussi, ouais. C'est clair. Allez, hop, premier kill. Ouais, la Recon, elle est bien, la lunette. Ouais, il y en a un qui vient de passer, là. J'aime bien la lunette de zoom, là, parce que moi qui suis bigleux, on est devant. Je suis une vraie taupe. Dans mon dos. Par contre, personne n'a de balise tactique chez nous, et ça, c'est chiant. Du coup, on spawn. On peut pas choisir ton spawn. Ouais, si quelqu'un avait une balise tactique chez nous à poser, et bien on pourrait choisir notre spawn en fait. Ouais. Ok. Oh, il est passé vite lui. Oh punaise, y'en a là-haut. Ok, bon, c'est bon, je vais lui. Oh l'enculé, ce qu'il m'a mis. On a perdu le contrôle. Oh, j'étais dessus là. J'ose pas y aller. Passer sur la gauche. R6D. On a pris le contrôle. Oh putain, je la vois. Oh, bon, je l'ai mis. Ouais, moi j'ai chopé les deux qui arrivent dans la rue en courant là. Ah mais c'est là aussi le cartel quelque chose. Non, pas toi? Non. Ça a des spoons en tournée, je pense. Hein. Oh non, il y en avait une deuxième. Oh le salopard. Il avait foutu deux clés mortes sur les murs, quoi. Une de chaque côté. Ah l'enfoiré. C'est longtemps que j'ai pas joué. Ouais, mais je trouve bien dynamique. Bien. Ah, mais c'était un ennemi, ça? Ah, bah, dis donc, j'ai vraiment du caca dans l'œil. Putain, je vois rien du tout, moi, c'est pas possible. Je voulais choper ces gueules. Il y a des gens quelque part ? Oui. Il y a des gens. Ah, cool. Ah, il est là-haut encore, aux fenêtres. Je sais pas comment l'expliquer, j'arrive pas encore à repérer bien. Au même endroit que toi. Ouais, ils sont là-haut. Dans la baraque. Bon, il y en avait deux, ils sont morts. Je pense. Non, il y a un troisième dans la baraque, punaise. J'en défonce deux par la fenêtre, il y en a un troisième, quoi. C'est pas sérieux, ça. Ça, c'est pas sérieux. Nul à chier. Mais non, faut te mettre dedans. Hein. Hier, j'ai galéré pendant 2-3 parties. Hein. Ah si, je peux me soigner maintenant. Oublie pas qu'avec RB, tu peux te soigner. Ah non. Avec LB, tu peux te soigner. Est-ce que tu te sers pour des grenades tactiques d'habitude? Bon, on bougeait. Bon, on va dire que je suis un campeur. Ouais, moi je kiffe. J'aime bien prendre la batteuse, j'ai jamais besoin de recharger. Ouais, déjà. Je suis à combien, hein? Je suis là. Tombé, moi. Moi, je le kiffe. J'étais pas mauvais en général sur les Call of, mais avec celui-là, j'ai l'impression d'être encore meilleur. Quoi. Même si je fais encore des grosses bourdes des débutants. Comme là, par exemple, je vais tirer avant moi.
C'est un truc de fou de trouver parfois. Il y en a, mais il faut les chercher quoi. Pas bon ça. Tiens, j'y ai pas mis. Par contre, il y en a qui peuvent poser des barbelés quoi. J'ai tué le pote avec. Oh, y'a un chien! Je me suis attaqué par un chien! Ouais, j'ai. Mon personnage là est pareil, il a des clébards. Ah, l'infiltrateur! Oh là là, c'est quoi ça? Y'a le chien qui arrive. Le chien n'a pas fait long feu avec l'infiltrateur de Seraph. J'avais oublié que j'avais la capacité d'infiltration. Oh, le RCXD! Ah, tu peux t'en dépêtrer apparemment du RCXD. En moins, t'as une touche comme un QTE, un X qui apparaît. On tient le bambou. On tient le bambou. Batteuse, je suis fan. J'ai toujours été fan de batteuse en règle générale. Ah, là. Ouh, c'était très beau ça. Oh là là, je m'auto masturbe. Zone pacifiée, les forces gouvernementales ont gagné. Ouais, j'aime bien. Petite masturbation intellectuelle comme ça. Et ben voilà, comme. Ah, et 2,78 de ratio, ça passe crème. 27, putain, 2700 points. Ah, c'est pas moi ce coup-ci. Là, j'ai la. Je sais pas comment j'en ai la fait. La fenêtre qui arrive pas, moi. J'arrête pas de... Ah, c'est vrai, on dirait une MP45 qui est là. Peu dans le genre. Et avec Yann Speeder. Bon, ben on va arrêter du coup la vidéo là-dessus. Donc c'était une première découverte, donc avec Nico on a pensé que de bonnes choses. Encore, hein, vraiment bonne partie. La batteuse est vraiment sympa, faut l'avouer. Je m'éclate vraiment avec. La thermique c'était cool, mais le problème c'est qu'on voyait pas, on distinguait pas les ennemis des alliés des ennemis. Là pour le coup, voilà, bah, un petit... Bah, moi j'ai fait un petit 25 frag là, tu vois, mort 9 fois. Donc 2,78, passe crème. Donc ouais, je me suis vraiment éclaté, les armes sympas, c'est assez dynamique. Ouais, vraiment une très très bonne chose. Donc pour le moment, on a un match à moi équipe hardcore, c'est vrai que je joue exclusivement, même essentiellement à hardcore. Néanmoins, je pense que on va pouvoir faire autre chose hein, dans notre mode de jeu, bien plus fun. Donc ce sera à découvrir. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, hein, pour ce petit gameplay découverte. Donc vraiment fun, parce qu'il faut retenir, très dynamique. Et franchement, on s'éclate bien. Donc voilà, on fait la pub avec les nouveaux arrivants dans le groupe. C'est du bonheur. Voilà, c'est comme à chaque fois, bien sûr, on est toujours euphorique quand arrivent les nouveaux Call of. Mais ça reste du très bon. Vraiment, c'est jouissif. Moi, je m'éclate. Donc j'en ferai d'autres, des vidéos bien sûr, des gameplays sur ce Call of Duty, avec du retour des potes aussi qui jouent avec moi. Là pour le coup, on va se retrouver prochainement pour faire du mode Battle Royale, donc du Blackout. Ce sera aussi, je pense, extrêmement jouissif. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à tout à l'heure, oui, tout simplement, et à la prochaine. Et puis surtout, portez-vous bien et éclatez-vous bien. Et ne lâchez rien, geekez, c'est la santé.